magistérique et savouranet. Donc, je vais vous donner comme devoir de contrôle numéro 2 pour les élèves de deuxième année, bien sûr, sciences et technologies de l'informatique. Donc, nous avons l'exercice Loleni, choisir la bonne réponse. Les nombres réels x1 et x2 tels que x1 plus x2 égale à 4 tiers et x1 fois x2 égale à moins 7 tiers sont les solutions de l'équation. Moins 3x carré moins 4x plus 7 égale à 0, moins 3x carré moins 7x plus 4 égale à 0, ou là, moins 3x carré plus 4x plus 7 égale à 0. Ben, avant de me dire la question, juste un petit rappel. Donc, l'année. Lorsque f de x égale à 0 admet deux racines x1 et x2, on a donc x1 plus x2 égale moins b sur a et x1 fois x2 égale c sur a. Voilà. Donc, on a je trouve un donc vérifier ces deux relations. X1 plus X2. Donc, nous avons l'oulani. L'oulani, je n'en dis moins 3x au carré, moins 4x plus 7 égale 0. Donc, A égale à moins 3, B égale à moins 4 et C égale à 7. B, on a qu'un nombre X1 plus X2, c'est-à-dire moins B sur A. Donc, quoi égale moins B sur A? Moins B, c'est-à-dire notre signe moins, moins 4 sur moins 3. Donc, égale moins 4 tiers. Voilà. Et donc, x1 fois x2, il y a c sur a, donc je dis c sur a, c'est-à-dire 7 sur moins 3 qui est égal à moins 7 tiers. Mais, franchement, il y a 4 tiers. Moi, je m'en la fonction Lula, on trace dans la moins 4 tiers. Donc, la fonction Lula n'est pas vérifiée, les deux réels là-dedans. J'ouvre la fonction B. Moins 3x au carré, moins 7x plus 4 égale à 0. Donc, a égale à moins 3. B égale à moins 7 et C égale à 4. Donc, on a qu'un arme le moins B sur A égale moins. On dit moins 7 sur moins 3 égale moins 7 tiers. Donc, automatiquement, on dit RALTA. La chatroua, on a 4 tiers. Donc, on va dire maintenant, je trouve C sur A. Tabda l'alchranie, donc, il y a moins 3x au carré plus 4x plus 7 égale à 0. Donc, A égale à moins 3, B égale à 4 et C égale à 7. Donc, l'énergie, je n'amène moins B sur A égale moins, donc 4 sur moins 3, c'est-à-dire 4 tiers, voilà. Et donc, je n'amène C sur A, donc égale à 7 sur moins 3, qui est égal à moins 7 tiers. Voilà, donc, l'énergie, réponse C, bien sûr, il y a la réponse C. T'as la question 2, pour une valeur de C, l'équation 2x au carré plus 5x plus c égale à 0 admet deux solutions. Donc, c, elle y a 3/2 et moins 4. Donc, l'aîné admet deux solutions. Ratine des solutions. 3/2 et moins 4, moins 3/2 et 4, et 3/2 et 4. Donc, l'aîné a 2x au carré plus 5x plus c égale à 0. Okay? Donc, on va déterminer l'aîné delta. Delta égale à b au carré, c'est-à-dire 5 au carré, moins 4 ac, moins 4 fois 2 fois c. Donc, égale à 25 moins 8 c. Okay? Donc, l'aîné delta, bien sûr, il est compositif. Mais, on a c. Le but n'est pas de chercher les solutions. L'aîné. Le but est nous. Donc, pour une valeur de c, ces deux solutions sont exactement, on a qui n'aude x de 3/2 puis on a c, qui n'aude x de moins 4 puis on a c, ou le même c, les trois cas. Donc, je trouve, on a par les trois cas. Okay? Donc, l'année, on a le cas l'oléni. Et le haut, donc, je dirais x1 égale à 3/2 et on va chercher c, l'année. 2 fois 3/2 au carré plus 5 fois 3/2 plus c égale 0. C'est-à-dire, l'année 2 fois 9, donc il y a 18 sur 4, plus 15 sur 2, donc plus c égale 0. Quoi égale c, l'année? Donc, c égale moins 18. Donc, l'année, on peut simplifier par 2. Okay? Donc, je taperai des moins 9 sur, donc, sur 2. Voilà. Pardon, on simplifie, voilà, on simplifie par 2. Donc, l'année a dit 2, l'année a dit 2 fois 2. Donc, je t'apprends les 9 au carré sur
2, 3 au carré sur 2, il y a moins 9 demi, donc plus moins 15 demi. Voilà, ça c'est C. Donc, qui est égal, donc moins, égal à moins. Donc, moins 24 sur 2, il y a moins 12. Donc, et pour x2 égale moins 4. Donc, quoi t'égale c'est, donc, statini 2 fois, donc 2 fois moins 4 au carré, plus 5 fois moins 4, plus c égale 0. C'est-à-dire, 2 fois 16, il y a 32, moins 20, plus c égale 0. Donc, c égale moins 20, égale plus 20, moins 32. Okay? Donc, est égal à moins 12. Voilà. Donc, on a la même valeur de c. Donc, la réponse que l'année, c'est. Okay? هو لهنا في ليكزارسيس ما قاليش عندي اون سول ريبونس صحيحه هذيك علاش دونك يلزمني نجربهم الكل مي سينون دونك اذا كان عطاني لانديكاسيون انه عندي اون سول فالور دونك جوست سي با لا بين اوكي بون انا باش نحاول نجربهم الكل هنا باش ناخذ ليكزامبل الثاني باش ناخذ اكس 1 ايغال موان 3 دومي اون فا شيرشي سي لهنا بيان سور سي ايغال دونك ايغال موان 2 دونك اكس 1 au carré. Ok, donc moins 5 fois x1, donc est égal à moins 2, x1 au carré, c'est-à-dire moins 3 demi au carré, donc moins 5 fois moins 3 demi. Okay? On peut simplifier les nez de même par 2, je t'apprends les signes moins des chiffres, donc on a dit les nez 9 sur 2, voilà, plus donc 15 sur 2. On trouve les nez 6 demi, il y a 3. Okay? Et on va donc les nez pour x2 égale à 4, donc c égale à moins 2 fois 16, okay? Donc moins 5 fois 4, qui est égal à moins 32, moins 20, égale moins donc 52. Donc sont différents, alors n'est pas la réponse vraie. Les cas l'akhrini, donc l'année est déjà 3,5 accepté, il y a fait le cas d'ailleurs, ok. Donc, il y a le cas l'ouléni, donc solution fil cas l'ouléni, il y a moins 12. Ou le 4 accepte le fil cas l'ouléni, donc il y a moins 52, donc nous ne sommes pas égaux, alors n'est pas vrai. Ok? Regardez la question 3. Si j'ai le barycentre des 3 points, A pondéré 4, B moins 3 et C1. Alors j'ai le barycentre de A moins 4, B3 et C moins 1. Donc, est-ce que vrai ou faux? L'année, je vais mettre un barycentre de 3 points. Donc, c'est-à-dire, l'année, on va écrire l'équation. Donc, l'année, A, il y a le petit a, c'est-à-dire, donc, 4GA, et donc, moins 3GB, plus GC, égale vecteur nul. OK? Donc, où le barycentre, on pose l'IHOA, donc, G1. Donc, je me suis attiré. Pchiatini, l'année, donc, moins 4G1A, okay, plus 3G1B, donc, moins G1C, égale vecteur nul, ok? Donc, je suis en relation, ma bine de ma source. C'est-à-dire, n est l'année, qui est l'équation de l'année, donc, on trouvera fois moins 1. Rien ne change, ok? Donc, l'année, si j'ai le barycentre de A4, B-3, C1, alors j'ai le même barycentre de A-4, B3, et C-1. Donc, l'année, elle est vraie. Voilà. Tada, donc, les questions 4. Si j'ai le barycentre de A4, B-3, alors AG égale à 4AB, ou elle a AG égale à 3AB, ou elle a AG égale à donc moins 3AB. Je m'en vais donner un barycentre de 2 points qui fait le vecteur AG. Bien sûr, donc, nous avons les formules. Donc, AG quoi est égal? AG égale bêta sur alpha plus bêta AB. Ok? Donc, l'année bêta est moins 3 sur 4 moins 3 AB. Donc, égale à moins 3 AB. Alors, la réponse juste est la réponse numéro C. Voilà l'exercice 2, il y a un exercice sur partie algèbre, résolution des équations. Donc, on a le second degré, bien sûr, on a l'équation de la ligne. Donc, on va résoudre E1, il y a 3x moins 1 sur x plus 1 égale x moins 1 sur x moins 2. Donc, il y a un exercice égale à l'exercice. Donc, c'est 3x moins 1 fois x moins 2. Égale donc x plus 1 fois x moins 1. Et dissous la forme a plus b fois a moins b, donc a au carré, c'est-à-dire x au carré moins 1 au carré. On va dire développement, donc 3x au carré moins 6x moins x plus 2. Plus 2, ça rend moins 1,
par moins 2. Donc, je tartine 3x au carré moins 7x plus 2 moins x au carré plus 1 égale 0. Je vais me coller de côté. Donc, je tartine 2x au carré moins 7x plus 3 égale 0. Voilà. Donc, on a l'équation au second degré. On va déterminer le delta. Donc, delta égale b au carré moins 4ac. Quoi égale a, quoi égale b, quoi égale c. Donc, l'a égale à 2, b égale à moins 7, ou c égale à 3. Voilà. Donc, je vais vous donner la valeur de terre. Donc, moins 7 au carré, moins 4 fois 2 fois 3, égale 49. Donc, moins 4 fois 2, 12. 12 fois, 4 fois 2, 8. 8 fois 3, donc 24. Voilà. Donc, égale. C'est-à-dire donc 5 au carré. Donc positif, bien sûr. Donc x1 égale à moins b moins racine de delta ou bien plus racine de delta sur 2a. Donc égale moins b, c'est-à-dire 7 plus 5 sur 2 fois 2 sur 4. Donc le neb statini 12 sur 4 égale à 3. Et x2 donc égale à moins b moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire 7 moins 5 sur 4, donc égale à 2 sur 4 qui est égal à 1/2. Voilà. Donc on va essayer de résoudre, c'est-à-dire s dans r égale 1/2 et 3. Ok. Maintenant l'équation finie, donc on dirait e2 égale donc x2 plus valeur absolue de 2x moins 3. Voilà. Donc on a une valeur absolue. Donc, x2 plus valeur absolue de 2x moins 3 égale 0. Ou le hajj, il y a une valeur absolue. Donc, 2x moins 3 égale 0, c'est-à-dire l'année x égale à 3 demi. Donc, on va chercher l'année signe de 2x moins 3, ça nous fait 3 demi. L'année, bien sûr, moins l'infini et plus l'infini. Donc, ça, c'est 2x moins 3. Qbal 3 demi, c'est-à-dire, par exemple, le pchnerro, 0, donc négatif, moins 1, donc négatif, c'est-à-dire elle est négative, et pas 3/2, elle est positive. Donc, valeur absolue de 2x moins 3, l'année est bestatine 3 moins 2x, ou l'année est bestatine, bien sûr, 2x moins 3. Donc, E2, qui est plus toilette que tu appelles l'année, E2 égale, donc je dirais deux valeurs. X2, donc l'année plus 3 moins 2x, x au carré, pardon, plus 3 moins 2x égale à 0, l'année pour x inférieur ou égal à 3/2. Donc, et x carré, donc plus 2x moins 3 pour égal 0, bien sûr, pour x supérieur à 3/2. Donc, l'équation de l'année, donc x carré moins 2x plus 3 égale 0. Donc, l'année, on va déterminer l'année, les solutions internes. Donc, on va chercher delta. Delta égale b au carré, c'est-à-dire 4. Moins 4 AC, donc moins 4 fois 3 fois 1, c'est-à-dire moins 12. Donc, bien sûr, delta psycho négatif, il n'y a pas de solution. Okay. Et donc, ça c'est E2 pour x inférieur ou égal à 3/2. Et E2, donc, x au carré plus 2x moins 3 égale 0 pour x supérieur à 3/2. Donc, l'année quoi égale delta, donc, ou bien on remarque, il nous a dit A plus B plus C égale à 0, 1 plus 2, donc moins 3 égale 0. C'est-à-dire l'année, les solutions internes, on a 1, donc x1 égale à 1, et x2, donc égale à C sur A, c'est-à-dire moins 3 sur 1 qui est égal à moins 3. Or, on a fait un nom pour x est supérieur à 3/2. Donc, on a fait x supérieur à 3/2. Donc, les solutions, moi, je dis l'intervalle avec. Donc, s dans r égale l'ensemble vide. L'année, on a dit solution. Déjà, on a qu'un argent. L'année, on a oublié x bel 1 dans l'équation interne. Donc, quand on a oublié x bel 1, l'année, je dois aller 1 au carré plus valeur absolue de 2 fois 1 moins 3. C'est-à-dire 1 plus valeur absolue de 2 moins 3, c'est-à-dire 1 plus 1, donc égale à 2. Elle est différente de 0, n'est pas vrai. Ok, voilà. Redoubène, l'année, alors, je dis les solutions, on peut tomber tout. Redoubène, fait l'intervalle, il n'y a pas de les solutions, moi, je vous dis, fait l'intervalle interne. Voilà. Donc, question 2, donc, soit, on dit E, il y a x2 moins 4x plus 2 égale à 0. L'année, ça, c'est E2. Donc, sans calculer ses racines, déterminer A qui est égal x1 fois x2 plus 3 plus x2 fois 4 x1 plus 3. Donc, on a déjà une relation entre x1 et x2 en fonction de a, b et c. Donc, l'année x1 plus x2 égale à moins b sur 1
et x1 fois x2 égale à c sur a. Voilà. Donc, si j'ai l'a, donc a égale x1, x2, plus 3x1, plus 4x1, x2, plus 3, x2. Donc, égale x1, x2, c'est-à-dire c sur a. Donc, plus 4x1, x2, 4c sur a. Okay? Donc, plus 3 fois x1, plus x2. L'énergie 3 en facteur. Donc, égale 5c sur a. Plus donc 3x1 fois x2, donc 3 fois moins b sur a. Donc finalement, a égale 5c sur a moins 3b sur a. On a le a ou le b ou c, donc l'énergie fait le e. Le a quoi est égal? Donc a égale à 1, b égale à moins 4 ou c égale à 2. Je n'ai pas l'énergie, donc égale 5 fois 2 sur 1. Moins 3 fois moins 4 sur, donc, 3b sur a, c'est-à-dire sur a, ok? Donc, quoi égal à dire? Égal à 10 plus 12, on trouve le nez 22. Voilà, ok? Donc, on va voir les questions, les bades, hein? Donc, au niveau grand B, soit e, donc, ax au carré plus bx plus c égale 0, tel que, a différent de 0 et a plus b plus c égale 0. Donc, l'énergie a montré que 1 est une racine de la solution e. Donc, l'énergie, j'ai l'énergie x plus 1. Je t'attends a fois 1 au carré plus b fois 1 plus c. Donc, quoi t'égale? Je t'attends a plus b plus c et l'énergie égale à 0. Voilà, donc 1 est une racine. Ok? Donc, trouver l'autre solution. Donc, ça, c'est 2. Donc, on va trouver l'autre solution. Puisqu'on dit a une racine, donc l'autre solution à quoi est égale? Nous avons dit a plus b plus c égale à 0. Donc, on dit solution égale à 1 et l'autre solution égale à c sur a. D'accord? Et comment vérifier l'autre solution? Donc, nous avons une relation x1 plus x2 égale à moins b sur a et x1 fois x2 égale à c sur a. Et comme x1 égale à 1, donc l'henné, c'est-à-dire x2 égale à c sur a, x1 qui est égal à c sur a. Voilà, on a x1 bil a, ok? Donc, résoudre l'équation, l'henné atteigne une équation, elle est racine de 3x au carré plus moins racine de 3 plus racine de 2x plus racine de 2. Donc, l'henné a un e1. Donc, je n'en ai pas l'année. Qui n'a pas A plus B plus C. Donc, on dit NLA égale à racine de 3. On dit B égale moins racine de 2 plus racine de 3. On dit C égale à racine de 2. Donc, A plus B plus C. Déjà, on a dans le même grand B. Donc, il y a racine de 3 moins racine de 2 moins racine de 3, on a fait la parenthèse, plus racine de 2. Donc, égale à 0. Alors, les solutions x1 égale à 1 et x2 égale à c sur a, c'est-à-dire racine de 2 sur racine de 3. Voilà, donc, l'énergie s dans r égale à 1 et racine de 2 tiers. OK, voilà. Donc, on va aller à l'exercice 3, au lieu d'exercice, donc, à barycentre. Donc, nous avons la question de l'ouligne, où il soit ABC un triangle et I et J les milieux respectifs de AB et AC. Construire le point G, barycentre des points pondérés A3 et B2. Donc, je m'en vais à G, le barycentre des points pondérés A3 et B2, c'est-à-dire le vecteur AG à quoi est égal? Donc, AG égale bêta, c'est-à-dire 2 sur alpha plus bêta, 3 plus 2 sur 5. A, B. Voilà. Donc, l'année, on va construire le point G tel que AG égale à 2 cinquièmes AB. Donc, Aoulhaja, l'année, je vais faire le triangle interne. Donc, un triangle, surtout les milieux respectifs donc, de AB et AC. On va dire qu'on fait tout le point interne. Okay? Donc, l'année, c'est la construction du barycentre de points. Donc, je n'ai pas le triangle ABC. Donc, je n'ai pas 4 cm. Ça, c'est AB. Donc, je n'ai pas le AC. Je n'ai pas 6 cm. Ça, c'est le point C. Donc, et ça, c'est BC.
Donc, هو قال لي هنا le point, donc G y a barré centre de A3, B2, donc on a vérifié que AG égale à 2 cinquièmes de AB. Donc, هنا باش نشد le vecteur AB, نقسمه على 5 parties, on est 2 cinquièmes. راهو مهم برشا انكم تحطوا هي ليتاب هذيا في الدفوار. Okay, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, nous allons le vecteur interne sur 5 parties, en 5 parties égaux. Voilà. Donc, nous allons faire le sas. Voilà, donc l'année, redoubène. Et nous allons faire le sas. Et donc l'année, nous allons faire les parallèles. Donc, je vais faire le perpendiculaire. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. AG égale à 2 cinquièmes de AB. Donc, l'année, je n'ai que juste 2. Donc, je trouve l'année, le point G. Voilà. Ok, donc 2 cinquièmes. Voilà. Donc, l'année, on va les questions. Les bandes, soit H, le point défini par, donc l'année, 3HA plus 2HB plus HC égale à vecteur nul. Donc, l'année, montrer que H est le barycentre des points pondérés G5 et C1. Chemin tel est H, le barycentre des points pondérés G5 et H1, c'est-à-dire 5HG plus donc HC égale vecteur nul. Donc, HC donc, le point G. Donc, je vais prendre ma relation. Donc, 3HA plus 2HB plus HC égale. Donc, je vais prendre le point G. Je dis 3HG plus 3GA. Je vais le point G, c'est radic. Donc, plus 2HG plus 2GB. Voilà. Donc, plus HC, il est comme un souris. Plus HC. Donc, je vais prendre le point G. Je vais prendre 3HG plus 2HG plus 5HG plus donc HC plus 3GA plus 2GB. Donc, et comme j'ai le barycentre des points pondérés A3 et B2, donc il est égal à vecteur nul. Je vais taper l'IL, bien sûr, il est égal à vecteur nul. Donc, c'est-à-dire 5HG plus HC égal vecteur nul. Alors, on a le résultat interne. Alors, l'année H est le barycentre des points. Donc, l'année, les points internes, des points pondérés. Donc, des points pondérés G5 et C1. Voilà. Donc, montrer que H est le barycentre des points pondérés I2, J1. Donc, l'année, Habibayin, nous, H, le barycentre des points, le menesouch, l'ahna, I ou J, ce sont les milieux, l'ahna, m'hatina, hamch, l'année, donc les milieux respectifs de AB. Donc, l'année, p'chner, le milieu de AB, m'hatin, 4, donc, c'est-à-dire, p'chkou, l'année, le point terne, l'ahna, I. Et le J, le milieu de AC, donc N a 6 cm, donc je trouve le point J. Okay? Donc, montrer que H est le barycentre des points pondérés, donc l'aîné I2 et J1. Je vais vous montrer l'aîné. L'équation, et nous, donc, et nous, 2HI plus HJ. Égal vecteur nul. Bien sûr, nous avons la relation loulanie, elle est 3HA plus 2HB plus HC égale vecteur nul. Comment montrer que H est le barycentre des points pondérés I2, IJ? Bien sûr, nous avons une relation interne, elle est 3HA plus 2HB donc plus HC égal vecteur nul. Je dis n l'n n d'après le point i l'n, je d'après le point j l'n, je d'après le point i l'n. Donc je dois aller à 3HI plus 3IA plus 2HJ plus 2JB
plus HI plus IC égale vecteur nul. Donc 3HI plus HI, 4HI plus 2HJ plus 3IA plus 2JB plus IC égale vecteur nul. Donc, on dit 4HI plus 2HJ, ma parole. Donc, on dit 3IA, or I qui est le milieu de AB, c'est-à-dire donc, puisque I est le milieu de AB, donc, on dit IA égale 1 demi de BA. Donc, l'IA, je vais vous dire, 1 demi de BA. Okay? De même, l'hne, IC, donc, je n'ai pas l'hne, à part IC, donc 2JB, j'ai JA plus AB, okay? Donc, ou l'IC, kif, je n'ai pas l'hne. Donc, IC est quoi égal, l'hne, il y a IA plus AC, okay? Donc, IC égale à IA plus AB, or IA, il y a 1 demi de BA plus AB. Ou JB, il y a JA plus AB. Voilà. Donc, on va faire un peu de l'équation. Donc, je vais aller à 4HI plus donc 2HJ plus 3 demi BA. IA, on va faire 1 demi. Plus, donc, l'hne, IA, IA, voilà. Donc, il y a IA, pardon, l'hne, ça, c'est IB. Égal à IA plus AB, donc voilà, donc l'année est JB, pardon, JB égale à JA plus AB, donc voilà. Donc, tu as parlé JA plus AB. Voilà, il y a JA plus AB, déjà JB l'année, voilà. Donc, l'IC est égal, donc IA plus AC, qui est égal l'hne, donc IA, c'est-à-dire 1 demi de BA plus AC. Donc, plus 3 demi de BA plus 2, donc JB, c'est-à-dire 2JA plus AB plus 1 demi de BA plus AC. Voilà. Donc, ici, on va essayer de faire un peu l'hne. Donc, je vais vous faire un peu. Donc, on va essayer de faire un peu. Donc, je vais 4HI plus 2HJ, plus, donc, 3 demi de BA, plus 1 demi de BA, et 4 demi de BA, c'est-à-dire 2 BA. OK? Donc, plus 2GA, plus 2AB, plus AC. Voilà. Donc, 2 BA plus 2AB, pchitna, égale à vecteur nul. J est le milieu de AC. Donc 2GA plus AC égale à vecteur nul. Donc je vais vous dire égale à 4HI plus 2HJ. Donc bien sûr égale à vecteur nul. C'est-à-dire, l'année. Donc 4HI plus 2HJ égale à vecteur nul. Je peux simplifier par 2, c'est-à-dire 2HI plus HJ égale vecteur nul. Voilà. Donc, H est le barycentre des points pondérés I2 et J1. Voilà. Donc, juste l'axe de l'année les vecteurs internes. En déduire une construction simple de H. Donc, H est le barycentre des points pondérés. Donc, G5 et C1, c'est-à-dire, H, G et C sont alignés. Donc, H est le barycentre des points pondérés. Donc, I2 et J1, c'est-à-dire, donc, H, I et J sont alignés.
Donc, là, on va déduire une construction simple de H, c'est-à-dire H et l'intersection des droites GC et EJ tout simplement. L'intersection termine le point terme lié au point H. Voilà. Question 3. Donc, la droite AH coupe la droite BC au point K. Montrez que K est le barycentre des points pondérés A2, H moins 2. Je m'entends KA moins 2. Donc, KH égale vecteur nul. On va montrer cette relation tout simplement. OK? Donc, on va montrer que la question interne, on va montrer que K est le barycentre des points pondérés A1 et H moins 2 à l'aide du théorème de Thalès. Donc, je n'en ai pas l'année. On a I, I est milieu de AB. On a IJ, I est milieu de AC. Signifie l'année, bien sûr, et nous IJ parallèle à l'BC. On applique le théorème de Thalès, par exemple, on va appliquer Thalès dans le triangle ABK. Donc, on applique ABK. Donc, je vais faire AI sur AB égale AH sur AK. IQI radical, donc, bien sûr, égale EH sur BK. Qui est égal à 1 demi. Alors, AI sur AB égale à 1 demi. Donc, AH sur AK égale à 1 demi signifie que, donc, l'année AH égale à 2 AK. Okay? Donc, AH égale à, bien sûr, l'année 2 AH, pardon, égale à AK. Donc, 2 AH égale à AK. Donc, l'année, c'est-à-dire H, le milieu du droite, l'année AK. Okay? Donc, le vecteur HA, vecteur HA, donc égale à 1 demi KA. Voilà, donc H, fois 2, donc 2HA moins KA égale à vecteur nul. Donc H est le barycentre des points pondérés. Voilà, donc K. Moins 1, donc puisqu'on a donc A1 et. Et donc, l'aîné, voilà, donc, H est le barycentre des points pondérés, K, pardon, le barycentre des points pondérés A et H. Donc, l'aîné, et puisque H est le milieu de AK, donc HA, il est bide KH. Donc, l'aîné, 2KH moins KA égale vecteur nul. Alors, le vecteur HK au bide KH. Donc, je voudrais pas que l'aîné fois moins 1. Je t'attends moins 2KH plus KA égale à vecteur nul. Donc, K est le barycentre des points pondérés H moins 2 et A1. Il dit que nous avons fait un vecteur interne et le barycentre des points. H moins 2 ou KA, donc il fait une autre moins 1 des points pondérés. Donc, H 2 et donc A, voilà donc H moins 2 et K et A 1. C'est kif kif, elle a donc H2 et K moins 1. Donc, la question 4, montrer que pour tout M du point, on a 3MA plus 2MB plus MC égale à 6. MH. Bien sûr, je vais mettre cette relation pour arriver à la relation rêvée. Donc, je vais avoir 3MA plus 2MB plus MC égale. Donc, 3, je vais mettre H, MH plus HA. Plus 2, donc, je vais mettre de même H. Donc, MH plus HB. Plus, donc, MH plus HC égale. 3MH plus 2MH plus MH, donc 6MH plus 3HA plus 2HB plus HC. À quoi est égal, donc, elle est égale, bien sûr, vecteur
nul. Ça, c'est l'exercice. Ok? Nage la relation de l'année. Donc, bien sûr, égale 6mh. Voilà, donc, c'est la relation interne. بعد على الكيستيون بي واللي هو دونك الكيستيون اللي ديما دونك يجي في لي دوفوار الكل بريسك لي زونسومبل دونك ديتيرميني لي زونسومبل سويفونت لونسومبل الاولاني دونك موديول دو 3 ام ا بلس 2 ام بي بلس ام سي ايغال 6 دونك موديول دو ام ا موان 2 موديول دو ام اتش فوالا دونك لهنا شنو باش نجي نعمل انا لهنا عندي بيان سور البارتي هذه ديجا انا مونتري انو 3 ma plus 2 mb plus mc égale 6 mh دونك موديول دو 6 mh égale دونك لهنا 6 موديول شنو باش نعمل هنا باش نجي ندخل لو بوان ك لنا و لو بوان ك لنا دونك mk plus ka moins 2 mk plus kh moins 2 kh pardon خاطر عندي الموان وعندي 2 égale 6 Donc, mk moins 2 mk, c'est moins mk, plus ka moins 2 kh. Or, k est le barré centre des points pondérés, donc ka et h moins 2, ça égale vecteur nul. Donc, égale, l'hne, on dit 6 mh. Ok? Quoi égale 6 mh? Donc, égale 6 module de moins mk, c'est-à-dire 6 Donc, mk, donc mh égale à mk. Donc, l'hne, mh égale à mk signifie quoi l'hne? Signifie l'hne que l'ensemble interne est la médiatrice, est une droite. Donc, m appartient à la médiatrice du segment hk. M, donc, est un point de la médiatrice du segment HK. Voilà. Donc, l'ensemble E2, l'ensemble chrénique de l'exercice interne, la question chrénique. Donc, déterminer l'ensemble E2 tel que l'année, module de 3MA plus 2MB égale module de MI moins MJ. Voilà. Donc, l'année, je n'en ai rien dit, module de 3MA plus 2MB. Donc, je nous dis d'où l'MC, 3MA. Plus 2MB, plus MC, moins MC, mais très haché, égal. Donc, l'année, module de M, ça c'est donc MI, plus moins MJ, je dois aller anti MJ, plus JI, d'accord, le point J, moins MJ, voilà. Donc, elle est égale vecteur, elle est donc le module, elle est 3MA plus 2MB plus MC, égale vecteur nul, donc moins MC, L'année a dit mj moins mj égale vecteur nul. Donc, module de mc égale l'année moins mc égale ij. Voilà. Donc, l'année E2 est cercle de centre C et de rayon. Donc, module de ij. Voilà. Donc, l'ensemble E2 est le cercle C de rayon. Donc, de rayon module de ij et de centre. Voilà. Donc, qui est concamel l'exercice interne? Bon, la partie, l'exercice ADF, la géométrie, n'est pas facile du tout. Fait les chapitres interne, fait le principe dans le mat, fait le pari centre, fait les vecteurs. C'est un exercice mouhem barcha. Hlo à l'akhar, habit n'khdemhoul comme l'hne. Donc, j'espère tous les ma'louma kif mahiya. Ou tefhemou, bien sûr, la partie. هذه نزيد ناكد راه لازمكم تخدموا ليكزارسيس هذايا ولازمكم تتبعوا ديمارش ايتاب بار ايتاب كان عندكم اي استفسار تنجموا تتصلوا بصبوره نيت